C'était des puits qui ont héritage pour Nabango. Il a travaillé les premiers puits. Et tant qu'il a travaillé les premiers puits, à Bengango na kombu ya Esek. La Bible dit que les autochtones du pays, ils ont puits ya Isaac, ils ont botolié. Isaac a l'imbité. Isaac, par rapport à la promesse et à l'alliance d'Abraham qui était cachée dans la vie bien-aimée à Isaac, Isaac a bandi sous au travail. A créé deuxième puits à Bengango na kombu ya Sitina. Et quand on a créé deuxième puits, la Bible dit les habitants ya Gerar baye ko boto les sous Isaac deuxième puits wana. Et tant ba boto lié cet homme Isaac, malgré ba promesse wa zalaki nango, a commis découragé par rapport ya vie. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je suis le pasteur Gédéon Yanfo Bishima de l'église Mifia de Kinshasa. Je suis venu aujourd'hui pour partager Nabino une pensée que le Seigneur nous a donnée dans la émission Nabiso, la parole de Christ. Une émission où il y a la Bolamo et Belé pour comprendre la pensée. Il y a marche, Nanzambe, Otondimela, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Nazan a besoin de partager une pensée. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 26, le verset 1er. Genèse, chapitre 26, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui y liait du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Ça, c'est une pensée qui va nous bénir aujourd'hui. J'aimerais parler sur un thème: l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. En fait, je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre problème, mais permets-moi en ce que de partager ces thèmes parce que le Seigneur nous a donné afin de réconforter, de fortifier, de relever quelqu'un qui ne croit pas à sa destinée, qui ne croit pas à l'avenir glorieux, qui ne croit pas que Dieu peut faire encore quelque chose et il est peut-être accablé par des problèmes. J'aimerais vous dire aujourd'hui que dans la vie, l'échec n'est pas la fin. La Bible nous dit par rapport à un homme appelé Isaac. Isaac, c'est un fils d'Abraham. Abraham, notre patriarche. Abraham, comme le père de la foi, Abraham est mort. Et maintenant, son fils qui était l'héritier, le fils de la promesse, Isaac est né. Mais un jour, Isaac a rencontré un problème, un sérieux problème dans le parcours. La Bible dit, Azaki na mboka ya Gerar. Mais dans kati ya mboka ya Gerar, Isaac a rencontré un problème. Gerar, Azaki mboka ya bapaya. Akende ko se séjourner dans mboka ya Gerar, mais un jour Isaac a rencontré un problème. C'était quoi le problème? Isaac a bandé ko travailler dur, il travaillait parce qu'à l'époque leur héritage Isaac na ba pui. C'était des puits qui ba héritage pour Nabango. Il a travaillé les premiers puits et tant qu'il a travaillé les premiers puits à Bengango na kombu ya Esek. La Bible dit que les autochtones du pays ba zui puits ya Isaac. Isaac a l'imbité. Isaac, par rapport à la promesse et à l'alliance d'Abraham qui était cachée dans la vie bien-aimée à Isaac, Isaac a bandi sous au travail. A créé deuxième puits à Bengango na kombu ya Sitina. Et quand on a créé deuxième puits, la Bible dit les habitants ya Gerar baye ko boto les sous Isaac deuxième puits wana. Et tant qu'on va boto lié cet homme Isaac, malgré ba promesse wa zalaki nango, a commis découragé par rapport ya vie. Isaac a comprendre que déjà na connaître échec. Échec ou ya vie nange sili déjà. Mais Isaac a oublié une chose, que lui là, il était le fils d'Abraham. Peut-être que tu me suis osa câblé na problème moko boye. Peut-être que tu me suis bien aimé osa bato ko bimela wapi. Tellement que il y a des problèmes ondi malisusute. Tu ne crois pas à la manifestation de Dieu, tu ne crois pas à la visitation de Dieu. Je suis venu aujourd'hui pour te dire l'échec n'est pas la fin.
Dieu peut sembler venir en retard, mais il vient jamais en retard. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nzambo tondimela, aza nzamba baka compliqué. Nzambo tondimela, la Bible lui appelle le commencement et la fin. Son nom c'est éternel. Tant que nanu likolo esedete, tant que nanu mabele esedete, bolingo ya nzambe na vino na mesilite bien-aimé. J'aime bien-aimé cette écriture qui nous dit, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Na isa Isaac moko akanisi ke alembi déjà. Lokola ba botolier premier puis, lokola ba botolier deuxième puis, a on dimensu na venirite. Peut-être tu avais un boulot là et donc balongolo kana musala boye tu avais nakati ya procédure ya fiançailles mais mobali ya kimi moi si ya kimi il y a eu des problèmes par rapport ya parcours na yo obane kozele loko moko boye mais jusque là il y a rien. J'aimerais te dire aujourd'hui le tuyau de la Bible s'appelle le commencement et la fin. Crois seulement aujourd'hui que Dieu est capable à relever place au kuiwana, que Dieu est capable malgré ma porte à battu nous sur Kangami, notre Dieu bien-aimé, Azana Makoki, car ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à l'air éterne. Isaac a connaître échec, maintenant un bon matin, a se décidé à Longwagera. Abi, je dois quitter Guéra parce que ici, échec Ezali, je suis humilié. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nako vande sou awate. Isaac a zu maintenant direction à Kendena, Égypte. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, l'Éternel est Dieu abîmer Isaac pour lui dire au Kende Guéra. Pardon, ne quitte pas Guéra. Reste à Guéra. J'aimerais te dire, quel que soit ton problème, sache-le que l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Tu as déjà échoué, oui. Les gens ont compris que tu as échoué. Mais par rapport aux hommes, c'est l'échec. Peut-être par rapport à Dieu, c'est une école pour toi. Dieu voulait simplement fournir une information. Pour place aux hommes, mes maillots. Et sa place moko ya gloire. Place oiseau memayo, c'est le lié de ta germination. Place oiseau memayo, c'est le lié bien-aimé, c'est ta terre prophétique. C'est un trône pour toi. Isaac voulait quitter Guérard. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Isaac, ne quitte pas Guérard. Tikala na Guérard. J'aimerais te dire par rapport aux hommes, peut-être que tu as déjà échoué, mais par rapport à Dieu, l'échec est au bello côté. C'est une école. On a besoin à former. Tellement qu'il y a des opportunités libosona yo. Ya on a permis à qui échec ouais un chemin yo. Pour que elle la qui ça yo. Banani babande ko entouré yo. Quel genre y a bas collaborateur basala qui pembe na yo. Quel genre y a bas défi fala qui au relevé. Oh bien aimé, une vie sans défi est une vie sans rayonnement. Si tu veux atteindre des grandes choses dans la vie, il faut zéla. Ba moment le colère haut. Tu fais quelque chose, tu es contesté. Tu viens ici comme Isaac, mais alors la Bible dit tangu a obéir na voix ya Nzambe. Atikali na gira. Oh, je comprends que ba te belé bazo échouer na vie parce que tozo ye ba te ko situer zone prophétique ya vie na biso. Tu dois comprendre aujourd'hui, si tu veux encore réussir, il faut comprendre ta zone prophétique, ta terre de prédilection. C'est très important, bien-aimé. Dieu a qui jamais pour bénir yo place nyonso. Nzambo pambolo ka bisika tinda yo. Nzambo pambolo bisika o ya mone la kayo. Il y a des gens azana kati ya binza. Mais nzambe akoma déjà na bibwa. Il y a l'incompatibilité entre l'homme et les liés et sa terre de germination. Au qu'il plaise à Dieu aujourd'hui, à Zouayo, à Kangisa, on a place à destinée na yo, au nom de Jésus-Christ. Qu'il plaise à Dieu aujourd'hui, à Longola, au place Batouba entouré yo, place Batouba Zakola Kisayo l'obité, mais que l'éternel est Dieu, à Memayo par sa main puissante dans ta terre de germination, dans ta terre de prédilection, dans ta terre prophétique. Au nom de Jésus-Christ, lorsque Isaac a obéi, la Bible dit abandé la kaka place ba imilia ki yo wana. J'aimerais te dire, même les liés au ba imilia yo,
même les liés au bandima qui yoté, même les liés au rejet kotaki, même les liés au la mauvaise réputation et comment qui partage na yo et ça na même lié wana l'Éternel est Dieu a tombola yo et ça na même lié wana l'Éternel est Dieu est en train de faire des grandes choses pour démontrer à quelqu'un, à tout le monde que Dieu est avec toi. Oh, je bénis ce livre de Michée qui nous dit mon ennemi ne te réjouit pas à mon sujet, même si je suis tombé aujourd'hui, l'Éternel et Dieu me relèvera. Nous croyons à un Dieu capable de relever quelqu'un, un Dieu qui est capable de prendre une personne à zéro, à comme ça est héros. Tu as déjà échoué par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu, c'était une école pour toi, parce que des grandes choses qui t'attendent demain. Et c'est là que chaque année salement. Lorsque Isaac a obéi à la voix de Nzambe, ma comme le Nzambe a pissé Rehobot. Le troisième puits. Oh, je crois na Rehobot. Rehobot, c'est le troisième puits. C'est Doxa, la gloire qu'on ne peut pas cacher. Il y a une gloire qui t'attend demain. Crois-moi aujourd'hui, bien-aimé. Malgré tes échecs répétés là, il y a une place. Il y a un lien au Nzambazo Memayo. Ce lien-là s'appelle Rehobot. Nakata Rehobot, makelele yakate. Nakata Rehobot, eza esika kimia. Nakata Rehobot, eza libala oyo rataki lobi wana. Ne Nzamba lingi squa remplace yango, apesa yo Rehobot. Eza musala ou peut-être o rataki wana lobi. Oyaki nakata ba proposition makambo ebele. O konetra même trahison ya batu. Oh, bien aimé, la méchanceté des hommes. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Rehobot, les alibosona yo. Dieu a donné à bien-aimé Isaac et Rehobot. Isaac s'est levé un bon matin pour dire l'Éternel et Dieu m'a mis au large et j'ai prospéré dans les pays. Malgré l'échec, il y a site n'a pas échec. Mais Isaac a yéba quitté que devant lui, il y avait un puits na kombo ya Rehobot. Les voies de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu sont incompréhensibles. La Bible dit, les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Peut-être que on a 4000, comment tu as échoué alors que Dieu est en train de préparer un lien, ta terre de prédilection pour que appelle ça Rehobot. Je crois que devant toi aujourd'hui, il y a un terrain qui s'appelle Rehobot. Il y a un boulot qui s'appelle Rehobot. Peut-être au connaître un chèque na domaine ya maternité bana wana ba bima ki ba kei. Peut-être Dieu avait besoin de remplacer Rehobot likola bana wana. Reçois ton Rehobot au nom de Jésus-Christ. Reçois ton Rehobot au nom de Jésus-Christ. Les Rehobot est bien aimé, tu n'as pas le droit de foxer parce que dans Rehobot ba foxa ka makambute. Isaac, crois-moi aujourd'hui, par rapport aux hommes tu as déjà échoué, mais à par rapport à Dieu, tu n'as pas échoué. Parce que Dieu a des choses pour toi. Dieu, bien-aimé, veut relever encore ta tête. Dieu veut enlever ta honte et ton humiliation pour te donner Rehobot aujourd'hui. Je crois à ta saison de gloire. Je crois à ta saison de multiplication. Je crois, bien-aimé, que notre Dieu veut t'amener maintenant à Doxa. Doxa veut dire quoi? La gloire qu'on ne peut pas cacher. Si autrefois, bah cacha qui est sec, bah cacha qui sitna, mais cette fois-ci, Rehobot, bah cacha ou le soussouté. Parce que Rehobot, c'est la troisième dimension de la gloire. Une gloire qu'on ne peut pas cacher. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un aujourd'hui? Une personne qui est câblée par des problèmes. Ou azo mouna sou nzela li boso na yezate. Ou azo nimate. Par rapport à ben chèk. A ta li famille na bango. A ta li position en zan ango. Tu dis comme Gédéon. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Alors lorsque Dieu est en train de regarder Gédéon, il ne voit pas la position de sa famille. Mais Dieu voit un vaillant héros qui dort encore à Gédéon. Ton problème, ce n'est pas de croire par rapport à la situation, à la vie. J'aimerais te dire que l'échec là où il y a un lobby, mais aujourd'hui, Dieu veut remplacer ton échec. Na Doxa, la troisième dimension de la gloire. Est-ce qu'on peut prier? Je ne connais pas ton problème, mais je connais qu'il y a un Dieu qui s'appelle la parole faite chair, la parole interprétée, la parole manifestée, la parole révélée, la parole prêchée. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a une solution, il a une réponse pour ton problème. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci. Merci pour cette troisième dimension de gloire que tu accordes à ma sœur.
que tu accordes à mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lobby ayeba qui ba échec, lobby ba botola qui site na pe échec, mais aujourd'hui, et c'est pélicion colo, ou pesaï réobot. Donc ça, la troisième dimension de la gloire. Malgré ces échecs répétés, mais aujourd'hui, Seigneur, et c'est pélicion, ou kumbaye, na kati a troisième dimension à gloire. Oh Seigneur, merci pour la nouvelle dimension au sopi du kola vinaye. Et chaque one yaki, c'était une école au PC ba stratégie pour que cette fois-ci, à quoi je suis dans ma même erreur wanate. Na kombo na yesu, nzambo a tombo la kabatu. Les dieux du relèvement, relève ma sœur, relève mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais prier. Amen. Moi, mon nom, c'est le pasteur Gédéon Ianfubishima, le pasteur responsable de l'église Mifiab. Si vous avez besoin de me contacter, je suis dispo pour vous. Mon numéro, c'est le +243 84 10 31 793. +243 84 10 31 793. Mon page Facebook, c'est Gédéon Ianfo sur Facebook. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. C'était des puits qui ont héritage pour Nabango. Il a travaillé les premiers puits. Et tant qu'il a travaillé les premiers puits, à Bengango na Kombuya Esek. La Bible dit que les autochtones du pays, ils ont puits à Isaac, ils ont botolié. Isaac a l'imbité. Isaac, par rapport à la promesse et à l'alliance d'Abraham qui était cachée dans la vie bien-aimée à Isaac, Isaac a bandi sous au travail, a créé deuxième puits, a bien on a commencé à sitina. Et quand on a créé deuxième puits, la Bible dit les habitants ya Gerar baye ko boto les sous Isaac deuxième puits wana. Et tant qu'on va boto lié cet homme Isaac, malgré ba promesse ou azala ki nango, a commis découragé par rapport à la vie.